Ça implique de mettre en avant son territoire, de mettre en avant sa région, de montrer un savoir-faire à la française, d'apporter un côté ludique aux athlètes, tout en gardant la performance et aussi la récupération pour eux. Ce territoire il va se retrouver déjà par des producteurs, des maraîchers évidemment de notre région, mais aussi par des recettes qui sont aussi dans la même veine que le restaurant, comme par exemple ce pois chiche. Donc le pois chiche sera mis à l'honneur avec cette eau de verveine, ces petits pois, cette betterave fumée et ce lait fumé, par exemple. Voilà. La Tousmazia, c'est les convives, les gourmets et les gourmands retrouvent quelque chose à laquelle ils ne s'y attendaient pas, avec évidemment des associations peut-être qu'ils n'avaient jamais pensé, mais tout en gardant la gourmandise et le savoir-faire à la française. Marseille, je pense que Marseille c'est plus qu'un coup de cœur, c'est ce qui m'a permis de pouvoir parfaire mes compétences, de montrer un large territoire qui est le nôtre avec, je dirais, le jardin de la France, avec des joailliers merveilleux, avec des producteurs incroyables, avec des pêcheurs fabuleux. Puis cette lumière, je pense qu'elle est unique et elle est ici, je pense. Ça, c'est le coup de cœur. Puis en plus, j'ai rencontré ma femme ici, donc c'est merveilleux.